تنظيم فيدرالية الأطباء العاملين لجهة الرباط سلا قنيدرة مؤتمرها الأول يومه 10 و11 و12 مارس 2017 بفندق سوفيتال جاردان دي روز بالرباط. وهاد التظاهرات تدخل في إطار التكوين المستمر للطبيب اللي حنا كنحرصوا عليه واللي من أجله تخلقت الفيدرالية لأجل التنسيق ما بين جميع الجمعيات المكونة لها. ولهذا الشأن هذا استدعينا محاضرين مغاربة باحثين ذوي مستوى علمي رفيع وباحثين من الدول الأوروبية لتنشيط هذه التظاهرة. وبنفس المناسبة تنحيي الإخوان الشمال على الفنوم على فيدراليتهم الجديدة وتنتمنى لهم التوفيق بإذن الله. في نفس الإطار تنشكر جميع الحاضرين اللي احنا كنتسناو ما بين 850 حتى 900 طبيب جينا من جميع أنحاء المغرب. وما تدوزنيش المناسبة بلا ما نشكر جنود الخفاء اللي هما سهروا على تنظيم هاد التظاهرة على جميع النواحي وبالأخص الإخوان ديال المكتب والإخوان المختبرات الطبية اللي هي كانت حاضرة واللي هي ساعدتنا على إنجاح هذه التظاهرة. وشكرا لك. Alors, docteur Frahati Idriss, spécialiste en gynécologie obstétrique. Et ben, je suis content d'assister à cette première journée et à cette journée qui va rester pratiquement inoubliable parce que c'est le premier congrès national de la Fédération des homéopraticiens qui a fait pratiquement le tour des pathologies et des thèmes qui intéressent le médecin généraliste, en sachant que le médecin généraliste est le pivot de la santé dans notre pays, de par le monde d'ailleurs, et qu'il a choisi donc des thèmes qu'il rencontre dans la pratique, qu'on rencontre dans notre pratique quotidienne, et particulièrement un certain nombre de thèmes, y compris la périménopause donc, que j'ai traité cet après-midi. Et la périménopause est une étape cruciale dans la vie des femmes et surtout qu'il s'intéresse à une zone de transition et à une étape de transition entre juste avant la ménopause et pendant laquelle, bien sûr, les femmes elles souffrent énormément. Et des fois, c'est quelque chose d'handicapant, aussi bien dans la vie quotidienne des femmes en périménopause que dans la vie professionnelle, mais aussi familiale, comme un certain nombre de statistiques nationales et internationales l'ont déjà démontré. Et donc, on a essayé de faire le point sur cette pathologie-là, et on a essayé de simplifier la prise en charge des femmes-là. Et donc, c'était vraiment intéressant parce que c'était participatif et interactif. Et donc, tous les ateliers, chacun de ces ateliers s'est penché sur un thème particulier, de telle façon à améliorer, bien sûr, les choses, nos conduites à tenir, à parler le même langage et surtout à uniformiser les conduites à tenir des omnipraticiens et des cliniciens, des médecins généralistes en particulier. Et donc, ceci dit, c'est toujours intéressant de faire ce genre de formation médicale en continu. Et bien entendu, le but ultime, c'est de mieux soigner nos patients et nos patientes, et c'est de mieux être à l'écoute de nos patients et patientes marocaines pour pouvoir éventuellement améliorer notre médecine marocaine pour qu'elle soit à l'image et à la hauteur des Marocains et des Marocaines en particulier. Ouanas Abd Razzaq, donc professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Moi, je pense que cet événement est extrêmement intéressant et qui est organisé par Forska et qui témoigne qu'il y a déjà une force qui a commencé et qui ne peut être bénéfique pour les médecins marocains.